Bon, j'ai jamais tranché cette vie. Mais au final, c'était un discours évidemment qui était plutôt destiné à ceux qui n'ont pas déjà vos idées, aux journalistes qui se sont déplacés et qui, hélas, nous ont pas. Je suis bien content aujourd'hui d'être à Bruxelles. J'avais commencé à venir pas si mal parce que j'avais commencé à l'esprit. Le contraire du terrorisme, ça n'est ni la paix, ni la sécurité. Le contraire du terrorisme, c'est la liberté. Et aujourd'hui. Mais c'est plus le thème, alors je vais arranger, je vais vous parler très rapidement, parce que vous êtes tous ici convaincus, pas du terrorisme, mais des petites terreurs. Qu'est-ce que je change? C'est les petites terreurs qu'on peut avoir tous les jours dans notre vie. C'est les petites terreurs qui font que, à chaque fois qu'on va s'engager en politique, on va se dire, ouais, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à ma famille? Qu'est-ce qui va arriver dans mon boulot? Est-ce le risque? Voilà toutes ces petites terreurs que l'on nous met au-dessus, on va nous combattre en premier. On est tous ici des militants et on a tous énormément à perdre dans ce combat et pourtant on y va. Pourtant on y va parce qu'on s'en fout et qu'il y a une chose plus importante que toutes, c'est que nous sommes des hommes et des femmes libres. Alors je ne vais pas faire de discours aujourd'hui, je vous dis juste, restez libres et vive la liberté.